Ouais, salut mes Beards, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode sur Watch Dog. J'ai une petite pause entre le cinquième et le sixième. Je suis en train de me remémorer un petit peu toutes les touches du jeu. Vu que je joue pas mal en ce moment, j'ai réinstallé sur PC Far Cry 3. Et que j'ai envie de jouer un petit peu à la manette pour m'y faire un petit peu. Parce que c'est vrai que ça me saoule de plus savoir jouer à la manette. Et du coup, j'ai un petit peu perdu les touches. Ah, c'est vrai qu'il est quand même beau. Il est quand même beau Watch Dog. Parce que je me disais aussi Far Cry 3, on rejoint un petit peu dessus. Je me dis putain, mais il est magnifique le jeu. Et c'est vrai que Watch Dog aussi, ça envoie du lourd. Bref, j'ai un petit trou de mémoire sur l'histoire. Mais je pense qu'il fallait qu'on suive Damien. En allumant le jeu, je me suis retrouvé directement ici. Donc on va lancer la cinématique tranquille. Et puis après, on verra où tout ça nous mène. Venir. Désolé. Je suis un peu tendu là. Ouais. Viens là, regarde ça. C'est qui elle? Aucune idée, le fichier est corrompu. Tu sais comment lire cette vidéo, toi? Non, c'est irrécupérable. Il te faut l'original. Je lance une recherche avec ton accès au site iOS. Ouais, justement, je voulais t'en parler. Tu vois, je crois pas qu'il soit au courant. Il en aurait parlé, je le connais. Qui en aurait parlé? Elle, c'est peut-être une piste. Ou pas. Il me faut une longueur d'avance sur lui. Aiden, t'as des ennuis? Une adresse IP? Oui, il me l'a donnée. Tu peux trouver où elle mène? Je comprends rien, là. Aiden, réponds-moi. Je ferai rien tant que tu m'auras pas... Il l'a enlevé, Clara. Il utilise ma sœur pour me faire chanter. Oh mon Dieu. Le mec qu'on a tracé. Oui. Damien Brinks. Je peux rien pour toi. Je vais y aller. On se reparle plus tard, quand t'auras fini. Chut. Viens par là. C'est quoi ce bordel? Caméra, caméra. Fuck. Délire de ouf d'un coup. Oh, ils ont tous pété. C'est bon ça. Bah quoi que lui il a pas pété. Merde. Merci de votre message, nous voilà. On occupe, allez. Non, je peux pas. Merde. Tout le soutien disponible. Eh merde, à chaque fois je fail là. Là, la rue. Où? Tain, elle part normal quoi. J'aime bien les missions tendues comme ça, c'est du lourd là.
Ça faisait longtemps qu'on a... Tu vois ça? Oh putain! Oh là 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 là, j'avais pas vu du tout. Je me suis fait prendre un sandwich. J'aime bien là, franchement. Depuis le début, c'est vrai qu'on avait pas eu un petit peu de... de guet-apens comme ça depuis le début du jeu. Fallait s'en douter un petit peu. Oh là là! Bon, on va refaire comme tout à l'heure. C'est la même que tout à l'heure, quoi. Oh putain, il avance vite lui. Et hop, dans la tête. Bon ça. What? Allez, entraîne pas, bouge-toi. Mort des rires, B, tu me tues. De fou, les mecs ils viennent de partout. J'avais déclenché un blackout, mais j'ai peur de faire de la merde quoi. Et ben voilà, ils l'ont déclenché eux-mêmes. J'ai bien fait de pas le faire. Je vais la voir d'ici. Allez, on y est presque. Allez, voilà. Faut pas que je fasse comme tout à l'heure. On va aller où sa voiture? Sur qui tu tires là? Ah voilà, chercher la touche pour courir vite. Takedown, je sais plus ce que c'est la touche. Mais il est où? Oh putain, il est sur le toit. Oh le chacal. Non, ça doit pas être ça les takedown. Oh! Ça veut dire on peut monter sur le toit ou... Yes. On a besoin d'aide. Tu es où? Aïe, je suis passé où là? C'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous êtes plutôt sale. Ils ont dû repérer ma recherche d'adresse. En voilà d'autres. Putain, mais pour qui ils bossent? Et on se casse. Allez, reste planqué, je vais nous tirer de là. C'est quoi ce délire? On tire dessus là. Ah c'est tendu là, wesh. Ouais bah bouffe ça.
T'as aimé, hein? Allez, viens, on bouge. Vite, monte dans la voiture. Je vais m'occuper d'eux. Mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y! Ils vont essayer de nous piéger! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle m'a salement lâché, oh! La maniabilité des véhicules, ça avait rien à voir avec Far Cry, hein. Pouah, truc de ouf quoi, je m'y attendais pas du tout quoi. Est-ce que ça va? Comment est-ce que tu veux que ça aille? Putain, mais t'es qui? Je sais pas comment t'expliquer. Je connais un endroit où on peut parler. Viens. Ça y est, le jeu commence à se réveiller un petit peu, quoi. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça, donc j'ai 4 points de compétence. Comment on peut... J'aimerais bien le mettre dans la batterie supplémentaire. Même si... Allez, on va le mettre là. On verra après par la suite si, ça, si c'est gênant ou pas. On va la laisser téléphoner, tranquillou. À la télé, ils parlent d'un incendie dans ton motel. Tu peux pas faire ton check-out comme tout le monde. Tu m'as déjà vu faire quelque chose comme tout le monde. Mais tu fais de l'humour. Ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude. T'habitues pas. C'est pas prêt de se reproduire. J'ai plus accès à mon réseau, il me faut du matériel. Ah, ça c'est pas mon problème. T'as pas voulu qu'on bosse en équipe, tu te débrouilles. Mais dépêche-toi, j'ai besoin de toi à 100%. Hé, ma belle, y a ton frère, il veut te parler. Aiden, Jack, est-ce que mon fils va bien? Il est en sécurité. Où es-tu? Je sais pas, il fait froid. J'avais les yeux bandés pendant tout le trajet. J'ai peur, Aiden. Je sais, mais t'inquiète, je vais te sortir de là. Écoute, je connais Damien. C'est pas un malade, il te fera pas de mal. Mais sois prudente quand il est là. Comment ça, tu le connais? Il m'a kidnappé! Il se sert de toi pour m'atteindre. Quoi? C'est fini. Bon, dis donc, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est en larmes, la pauvre fille. Damien, repasse-la-moi. Si tu veux continuer à discuter, tu suis l'adresse IP et tu m'apportes quelque chose d'utile. Salut. Ok, elle est en vie. Pour l'instant. Elle est dans un endroit où il fait froid. En extérieur, peut-être. Si je lui demande plus d'infos, je pourrais peut-être la localiser. Ok, pour le moment, on va se tailler de là. On va directement aller à la mission. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il faudrait que je fasse une chose aussi quand j'aurai les points. Par la suite. Je sais plus c'est quoi la touche pour... voilà. Arbre de compétences, il faudrait que j'arrive à... C'est celui-ci, c'est 4 points, donc celui-là c'est le prochain qu'il faut que je mette. La police de Chicago vient de lancer un mandat d'arrêt contre le justicier Aiden Pierce. Mais les habitants de la ville ne se cachent plus pour lui témoigner leur soutien. Par conséquent, les forces de police ont énormément de mal à obtenir des renseignements. Tu m'étonnes, Frollo. Donc ça y est, ça part en cacahuète, ça fait plaisir, hein, au bout du 6ème épisode. Bon là, ça commençait déjà à être sale un petit peu dans l'histoire. Mais voilà, je voulais quelque chose qui... Voilà, que ça commence un petit peu à taper. Là, pour le coup, on y vient petit à petit. Ça fait vraiment, vraiment plaisir.
Donc je vais essayer un petit peu d'enchaîner ce soir, vu que j'ai ma soirée. Oh, wow, il m'a sauvé la vie lui. Je vois en lisant les commentaires que ça fait pas mal plaisir. Que je joue comme une merde. Quoi que je joue comme une merde. Et je vais essayer de faire des missions secondaires aussi un petit peu, vu que je vois que il y a pas mal de monde qui veulent quand même que, même si je fais la trame principale, s'il y a des petits trucs à faire à droite à gauche, j'irai quand même les faire. Genre contrat de fixeur qui vient de s'afficher juste à l'instant. Alors j'étais près de la mission, c'est pas grave. On va aller faire ça tranquillou. Faudrait que j'achète pas mal d'armes aussi. Il y a trop de trucs qu'il faut que je fasse en fait. Là je suis vraiment qu'au début du jeu. Il va falloir que je me concentre un petit peu sur ce jeu. Le problème c'est que je joue uniquement quand je fais des vidéos. Du coup je peux pas jouer en off pour après monter, on va dire, mes caractéristiques, mes compétences. Du coup j'ai pas d'armes. Mais bon, ce que j'ai ça me suffit amplement moi pour le moment. Après je sais pas par la suite si ça va me demander plus de choses encore. Mais là pour le moment moi ça me convient. Alors, ça a l'air d'être par ici. Pour monter c'était... D'accord. Dieu, Yamakasi. Au menu, une course-poursuite avec la police de Chicago. Ça devrait les occuper pendant que mon client règle ses affaires. Allez, c'est parti, cogno. Allez, ça y est, je suis lancé. J'espère que je vais pas fail. Si tu veux, est activé. Donc ils sont en recherche. Ah, ils vont me tomber dessus direct. Donc je vais pas vous mentir, ce soir les vidéos risquent d'être un petit peu mouvementées dans le sens où j'ai un petit pépillage. C'est vrai qu'il dit ça normal. Donc il se peut que ça parte en vrille. Donc je vous le dis de suite. À chaque fois qu'il y a une cinématique, une petite gorgée, comme il y a pas mal de cinématiques, je commence à voir. Pour le moment ça va, ils m'ont pas repéré, d'accord, c'était ça. Ah, par contre là, je passe quand même un petit moment dedans, donc ça va 30%. Alors, franchement, je commence à bien me mettre dedans le jeu, là, il faut que je me mette bien dedans. Je pense qu'il va être, il va être frais en fait, il va être vraiment vraiment frais. La petite musique d'ambiance qui passe super bien en passant. Oh là, petite baisse de framerate. Ah d'accord, j'ai le... Ok. Je suis désolé, d'un coup j'ai le jeu s'arrêté, il est repris. Ok, tu veux que je passe par où? Ça va plus dur les endroits la prochaine fois. Oh merde! Désolé, j'avais pas vu. Sorry. Le klaxon du futur. Allez, ça y est, je vais me faire repérer. Allez. Ok. Moi, je brouille tout, moi, je rigole ou quoi? Direct, je les ai semés déjà. Non, easy. Ah. Et en même temps, si tu me fais repasser devant. Pfff.
Ah putain, mort de rire, gros. Le mec, il a fait TB au dernier truc, quoi. Ça y est, c'est un cadavre ambulant, ma voiture. Je m'y attendais pas du tout. Pourtant, c'était... C'est plus que visible, bordel. Central, on va avoir des problèmes avec ce gars. Envoyez des renforts. Il nous faut un accès prioritaire. Voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Ah, il me laisse avec les flics. Oh, les bâtards. En plus, c'est la voiture qui fume et tout. Quelqu'un a vérifié les tunnels. Impossible de retrouver le suspect. Oh là là, je vais écraser un mec. Ah, ça pique, il va me passer devant. Oh putain. Merde, le suspect a filé. On prévient toutes les patrouilles. Ok, allez, c'est bon, on est parti. Connu sous le nom de trip numérique, ces expériences psychotropes sont désormais. Allez, trace-toi vite avant que le mec se fasse tuer, là. Ah, c'était au-dessus. Ok, j'allais dire, c'est vraiment des bâtards, hein. Évidemment, j'ai pris la voiture incontrôlable encore. Franchement, la maniabilité des véhicules, c'est un truc de fou, quoi. Je pense pas être le seul à me dire que c'est vraiment... je sais pas. C'est un petit peu chelou. Comme tout à l'heure, ça passait super bien là pour conduire, et là, d'un coup, ouais. Moyen. Alors, il est où, ce chacal? J'aimerais mieux que je fasse pas trop de bruit. Oh oh. Ah bah du coup voilà, j'ai gâché le truc. Donc voilà, comme ça s'est fait. Voilà, comme ça s'est fait. Lui en fait, c'est lui qui devait commettre le meurtre, pardon. Je prends des photos sans faire exprès, j'appuie sur select parce que je voulais afficher la carte. Donc je vous ai dit, tout ça va être comique, hein. Il risque d'y avoir des gros fails. Je me rappelle plus la personne qui m'a dit fais gaffe de pas écraser les gens, les trucs comme ça. Mec, s'il passe sous mes roues, il passe sous mes roues, tu vois. Voilà, je peux pas faire. Et en plus, je vois que tout le monde joue le gentil, quoi, tout le monde. Je sais que X. Oh là là, je sais que X joue le gentil. Je sais pas, moi j'aimerais bien faire TB en fait. Genre écraser tout le monde et tout, que le justicier en fait ça soit vraiment un enfoiré de première. C'est un truc de malade, j'ai même pas fait une mission, ça a déjà 25 minutes. C'est un truc de fou, ce jeu. Ouais, ouais, je me suis garé. Quoi, en fait, je fais une plantée, mais... Voilà, t'as vu. J'ai perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Et elle est où, Clara? Oh, fais gaffe, Hayden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens. Merci. Ces types, c'était qui? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur le site OS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné. Non, non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel, ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça.
Tu connais cet endroit? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du CityOS. On l'appelle le Bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le Bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Il faut qu'on le trouve. Faut que je trouve comment entrer dans le bunker. Un accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. Qui tu es, toi? Si tu peux faire ça, tu peux m'aider à entrer. Tobias Frouer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île il n'y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Frouer. Bien sûr. C'était un des pionniers du CityOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter, pour voir ce qu'il savait sur l'île, et il nous a sorti son fusil à pompe. Il habite pas loin d'ici, dans un campement de sans-abri. Il est SDF ? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber. Il dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, il cambriolait les chalets. Montre en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique. L'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui. L'amour des contes de fées. Eh ben, j'espère que ce bunker existe aussi. J'en suis sûr. On ne déplore aucune victime. La police a ouvert une enquête et les autorités se félicitent de la réponse rapide du CityOS. Voilà. C'est ici que Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Lui, en fait, il est en train de pisser ou je sais... Il vomit ou il pisse ou qu'est-ce qu'il fait, lui? Espèce de chacal. Eh, mais la peinture, vous avez vu, j'ai mis un petit peu le profiler sur Clara. Genre mort de rire... L'ancienne profession tatoueuse, bon, on l'aurait un petit peu deviné quoi. Mais c'est pas mal du tout, au moins ils l'ont mis, elle est pas brouillée elle. A perdu un orteil quoi? Enceinte de moi. Poète de rue. Ah, peut-être toi? Membre d'une ligue de bowling. Calme. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire un poker, là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé, là. Attends, il ressemble à quoi? Je sais pas, moi, une nana si punk, hein. Ouais, je suis fermé. Il joue au poker.
Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Eh, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, hey, tu vas pas le croire. J'ai trouvé l'autre là. Tobias, tu sais, je vais te chercher tout de suite. Les voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. Excuse-moi, Clara Morgan, j'arrive là, je reviens. T'es un premier véhicule qui me tombe, quoi, cette bouse. Je peux couper par là? Bien sûr que je peux couper. T'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. On parle de parano dans le coin? Oh le bâtard! Qu'est-ce qu'il prend ce connard? Je suis parano. Wesh, j'ai pris une vieille voiture là, l'ancienne. Merde. Allez, oh! Il a une arme! Et wesh, wesh, wesh! Oh oh! Pan pan clic boom! Enfoiré! Excusez ma vulgarité. Putain, un truc de malade! J'ai un petit peu gueulé aussi, je vais baisser un petit peu le son. Eh, hey, tu vas pas le croire! J'ai trouvé l'autre là! Tobias, tu sais? Je vais le chercher tout de suite! Et voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. Tu peux pas me donner une autre case, s'il te plaît? S'il te plaît, bro, assure. Allez, cassez-vous! T'avais raison, il est parano. Il me faut du renfort! Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Oh, c'est moi, je vais me prendre la voiture. Oh non. Allez hop. Zigouillez, 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 zigouillez. Ouais, faut que je m'échappe. Ah, oh, ça va être dur, hein. Oh putain, c'est moi qui ai fait ça? Oh, désolé. Écrase-le! Vas-y! Écrase-le de quoi? Il a un flingue! Merde, je croyais que j'ai dû me courir derrière la voiture. Je sais plus comment on fait pour se bastonner avec les mecs. Ok, je crois que j'ai trouvé. Ok, maintenant on va aller se faire un petit poker avec Tobias Frouer. Y'a que lui qui peut me faire entrer sur l'île de Clara. Ok, il est où lui? Un poker? Ça va être chaud quoi. J'espère que c'est pas un vrai poker. Parce que jeu de cartes j'aime pas trop moi. Encore les échecs, j'étais chaud, j'ai vu qu'il y avait des échiquiers. Je sais pas si c'est des vrais jeux d'échecs. Ça ouais, franchement, je serais chaud, mais poker. Je suis beaucoup moins chaud là. Oh, pas mal. Dommage que sur PS4 ils intègrent pas en fait le système comme pour GTA l'ancienne. Je crois que c'était sur GTA ou je sais plus sur quel jeu. Où on pouvait directement mettre notre playlist musicale. Comme ça, j'aurais pu mettre mes propres sons à moi. Ça aurait pu être cool, j'y ai déjà pensé. Bon, déjà sur PC, je pense pas qu'on puisse le faire. Mais sur PS4 encore moins. Ça aurait pu être cool hein, franchement qu'on insère une petite playlist. Comme ça j'aurais directement mis mes prods. Donc les musiques que je compose directement. Au lieu d'avoir le vide comme ça, le néant, y a rien du tout, on entend que la voiture, les bruits du moteur. Ouh. Ok, c'était là. Elle roule plutôt bien cette voiture de fixeur là hein. L'air de rien. Alors c'est par ici. On va se rentrer là.
Et on va sauter Normalus. Salut, c'est pour un poker. Tranquille, Milou. Vous voulez que je prenne de l'argent aussi, hein. Je commence à être ruiné là. Et voilà, tu vois, du petit 960$. Du poker illégal dans le coin. Grosse surprise. Et toi, tu arrives normal, genre t'es pas été invité. Tobias doit être l'un d'entre eux. Ouais, ils sont sérieux quoi. On va faire un vrai street poker ? Qu'est-ce que tu as ? Ok. Ok, oh. Allons-y. Promets qu'il triche, je lui mets une balle dans la tête, ok ? Lol, il m'a envoyé la carte sous la main direct. Fout. J'ai quoi moi? Arrête, j'ai même pas vu. Ah mais je joue tout seul. Ah d'accord, ok. Qui t'es toi? Je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, non, prends ça comme un, c'est pas tes oignons. Eh, hey, t'es agressif comme mec. C'est pour ça que Bloom t'a viré. Arrête-toi, Tobias. Eh, hey, j'ai bien aimé cette petite scène au ralenti là. Mais qui t'envoie? Elle me tire dessus et tout, le bâtard, quoi. Putain. Il va falloir que je le neutralise. Ah, ça, ça aurait été bien de le faire exploser, mais juste avant que j'arrive, quoi. Vas-y, arrête de courir, gros. Putain. Tu te trompes de personne. Ah ouais. Je sens qu'il va me faire courir pendant 8 heures. Oh. Y'a pas un truc que je peux pirater là? En plus, je suis sûr que si je le tue, il va se passer un truc de ouf. Donc il va falloir pas que je le tue. Il va pas falloir que je le tue, putain. Allez, putain, à chaque fois j'y suis presque. Chier. Ah, ah. Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Ils vont le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire ? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Y a pas d'alim au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges? C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que j'y pense, c'était déjà comme ça, hein, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette merde, on a tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici. Enfin, je crois. Mais oui. Tobias. Tu veux bien me donner la télécommande? S'il te plaît. C'est moi qui l'ai fabriquée. La télécommande. Oui. C'est ça mon truc, moi. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la-moi. Oui. D'accord. Ça roule. Oh. Oh. Tiens, prends-la. Merci. C'est ta vie, après tout. Elle est lourde, hein? Ouais.
Et crois-moi, ça va devenir de plus en plus lourd. Hé, dis. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, hein, viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Ça marche. C'est chelou, le monsieur. Ah, il me semblait qu'on allait le revoir, ce monsieur-là. Tobias. Et carrément un petit magasin clandestin. Bien, 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 tout ça. Il était un petit peu chelou, parano. Mais voilà, il nous a servi. On est content. Allez, on va faire plaisir à certaines personnes qui voudraient me voir me vautrer comme une merde. Voilà, j'ai failli un hein, direct, ça fait 4 secondes. Tobias, je suis déjà recherché par les mêmes types. Et puis maintenant, je suis SDF moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'il le retrouve, qui sait ce qu'ils lui feront. Et au fait, Maurice m'a gentiment donné des coordonnées. Il a l'air convaincu que tu trouveras quelque chose. Il dit que si tu veux des réponses, tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais je pensais que ça pourrait t'intéresser. T'as eu raison. On progresse. Il veut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Trouve-lui une récompense ou quelque chose, ok? Quoi? Je lui donne un cookie? Je sais pas. Sois créatif. Quoi, je lui donne un cookie? Mort derrière. Alors par contre pour... Putain, j'ai encore pris une photo. Désolé. Je prends que des photos sur la PS4. De longue... En fait, je vais regarder après. Mais... je vais regarder ma bibliothèque et je vois que des photos, je comprends pas. Et en fait, je me rends compte que c'est moi, je fais à chaque fois, j'ai pas l'habitude en fait. Les autorités portuaires ont saisi un conteneur chargé de matériel d'armement valant plusieurs millions de dollars. Le chargement venait d'Europe centrale. Les circonstances de son arrivée ne sont pas claires. La police dit qu'il s'agit d'une opération de grande envergure, sans nous en dire davantage. Bon, je pense que... Ça va, mon tour, c'est plutôt pas mal, hein. Oups, putain, je trouve... Si je l'arrête pas, il va faire du mal à beaucoup de monde. Je sais pas pourquoi il est si sûr d'échapper à la prison. Mais je vais le faire revenir à la réalité. Wacon, c'est quoi ce parcours? Je crois que c'est des Formule 1 ou quoi? Il est mort de rire, le mec, je me suis trompé tout, je l'ai fait sauter quoi. Bon, va falloir qu'on prenne un véhicule. Wow, oh, oh, madame Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah. Ici la police, votre urgence s'il vous plaît. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Il se passe des trucs ici. Vous pouvez lâche répéter. Allô? Non, non, pas ça. Espèce de bitches, qu'est-ce que tu fais là? Et merde, voilà, j'ai pris encore une photo. Ah, ça l'a pas pris en compte. Bon, tant mieux. Bon, on va essayer de pas faire la merde. Jusqu'à présent, en fait, tous ces contrats comme ça, j'ai fail. Ouais, voilà, on va pas se mentir. Je les ai tous fail un par un. Donc j'espère que celui-ci sera une réussite. On va se mettre là. Non, même pas. Parce que en fait, ça sert à rien que. On l'a dans le cul. C'était une belle réussite. Ça dépend dans quel sens on le voit. Je suis mort comme une merde. Putain, c'était épique. On recommence? Vas-y, donne-moi ton tas de merde là. Et en plus, je le tue quoi. Et j'ai un nouveau véhicule disponible. C'est fat.
Franchement, la vérité, le truc du justicier, tout ça, je m'en fous, mais un point, quoi. Bon, moi, je suis dans GTA, là. Y a pas de justicier ou... Je bute tout le monde. Le premier qui se met en travers de ma route, là, bim. Headshot. Il lui comprend pas ce qui lui arrive. Attends, mais j'avais pas un sniper? Oh, mais si! C'est trop! Police, quelle est la nature de votre urgence? Oh mon dieu, il tire sur des gens! Mais c'est trop, comme je fais de la merde! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Bon, on va gonfler, vous aussi les condés là. Voilà. Oh putain, en plus j'ai oublié. Oh là là, il faut que j'arrête de boire encore. Tu peux me laisser ton véhicule s'il te plaît? Ah, c'est mieux pour conduire. Bye bye. Bon, l'hélico il me suit. On dit au taquet. Ouais. Et lui, non. T'es sérieux, moi? Oh oh. Wow. Oh, tu as eu cul, toi. Et le barrage, d'accord. Arrêtez votre véhicule tout de suite. Je sais pas où je vais, là. Mais ça a l'air cool, hein. Oh. Ils sont taqués, eux. Ah, du coup, je peux rien faire vu que j'ai pas le site OS. Ok, c'est cool. Ah, si, quoi que. Ok, ça servit à rien. Ok, ça servit doublement à rien. Ok, tu veux que j'arrête? Oh non! Oh non! Oh, mais gros, mais c'est un film! Oh, mais vous avez vu ce qui m'arrive ou quoi? Non, mais sérieux, hein? Et je fais comment pour sortir de là maintenant? C'est quoi ce délire? Oh là là! Oh, c'est de pire en pire! Ah, je crois que cet épisode c'est. Voilà. L'épisode fail. Je peux pas prendre des gens en otage là? Oh, il y a une méchante voiture là-bas. Remarque celle aussi, elle est pas mal. Bonjour madame. Monsieur. Il parle super mal quand même dans le jeu, je trouve. Hein. Parce que l'autre qui me dit quel fils de pute. Il est juste envie de le broyer le mec. Ah ouais, elle va un petit peu vite, ouais. Je vais mettre la carte à un endroit que je connais. Ouais, on va se mettre vers là. J'ai fait bordel, ils ont fait bordel, on a tous fait bordel. Un
Oh, ça part en vrille, hein, cette vidéo, c'est un truc de malade. Ça se voit que... j'ai pas joué depuis un moment ou... Oh, la voiture, elle est en fumette. Complet. Je peux même plus tourner, les gars. Le suspect a abandonné son véhicule. Ouais, c'est bon, tu mens, j'en ai marre. Hein. On va lui rentrer dedans. Attention, une voiture de patrouille de choc. Une voiture de choc, ils ont dit. Disons que. C'est bon, ils ont lâché prise ou pas encore? Bon, en même temps, j'ai fait exploser une voiture de flic. Donc, veuillez m'excuser. Je suis en état d'ivresse. Oh non, putain. Ils ont mis des Hertz. Voilà. J'ai lobé les Hertz. Bon, en fait, j'attends juste. Oh là là. Ah, franchement, les gars. Gonflé là. Il est où, il est cool là. Je répète, arrêtez ce véhicule. Police, rangez-vous sur le côté. Oh, cette vidéo, les gars. Pouah. Elle va rester dans les annales. Hein. Je vous le dis. Je vais la sortir, hein. Je suis obligé. Hein. Je l'envoie dans le décor. Ouais, vas-y. Arrêtez ce véhicule. Je suis obligé de la sortir, tu vois. Le... C'est bon. Oh! Oh shit! Oh oh! Ça, ça pique par contre. Ça explose. Je pense qu'il y en a qui vont kiffer là le sens interdit. Et j'espère que les flics vont se prendre une voiture, putain. Oh là là! Manqué! La 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 l'air! Une voiture de patrouille de choc a été envoyée en direction du suspect. Ah ouais? Mais quel suspect tu parles? Oh putain! Ah c'est bon! Bientôt la vidéo se termine! Attention les gars! 36 mètres! 20 mètres! 10 mètres! Ouais! Bon, il est temps d'arrêter cette vidéo, il est temps d'arrêter ce carnage, il est temps d'arrêter de boire, il est temps de tout arrêter. Sixième vidéo, voilà, no comment, j'y plus rien, j'accepte plus de crime, allez vous faire fist fuck, voilà tout le truc. Moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cet épisode sur Watch Dog, épisode 6. Et en plus il parle super mal. Donc moi je vous dis à très très bientôt. Merci encore. Allez, peace.